Emmanuel Macron a eu une réaction assez euh, dure, radicale, que certains ont perçu comme étant un peu paternaliste. Euh, il a convoqué un Conseil de défense. Vous parlez du Niger. Comment vous avez, euh, quel regard vous portez sur sa communication dans cette crise Non, comme euh, toujours, comme depuis quelque temps, euh, la communication de, du président Macron euh, a été maladroite. Et c'est peut-être même un euphémisme, en tout cas contre-productif au moins. Vous savez, lorsque en novembre 2019, Macron avait déclaré à, à Bruxelles Je réunis un sommet de chefs d'État il n'avait pas informé même ses homologues. Et ça a été perçu comme une convocation et c'était les opinions publiques. Des pays qui ont dit vous n'êtes pas de sous-préfet, vous n'allez pas à cette convocation. C'était le cas de Montpellier aussi, le, cas de, le sommet, le de cas de, du sommet de Montpellier ou le cas lorsque euh, pour son premier déplacement en 2017, Macron a commencé sa politique africaine par un faux pas. Lorsque en 2017, après son élection, il décide de se déplacer au Mali. Eh, tous ceux qui connaissent les réalités du continent lui ont dit, Monsieur le Président, passez par Bamako, faire la courtoisie à Ibeka avant d'aller à Tombouctou. Le Président Macron a pris son avion de Paris, il a décollé pour aller à, à, à Tombouctou. Et c'est le Président Ibeka, en Afrique, qui, qui s'est déplacé. Vous savez, en Afrique, l'âge prime sur, sur la fonction. Donc, ça a été très mal perçu. Et dans le cas du Niger aussi, il y a aujourd'hui une communication totalement contre-productive. Les Nigériens ont le sentiment que euh, ce dossier était beaucoup plus géré à Paris qu'à qu Niamey même, que le dénouement de la crise devait venir de Paris non, et non de Niamey. Cette, cette forme de dépossession de, 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 de l'agenda au, au, au profit de, de Paris et non de Niamey a créé un sentiment de rejet. Et je pense que ça a, contrairement à ce que le, le pouvoir français pense, ça a ajouté à la popularité de la jeune. Parce que la jeune dit, bah, nous on est dans un combat souverainiste, nous on est dans un combat nationaliste, y compris des gens qui n'étaient pas au départ contre le. Au départ, qui n'étaient pas pour le coup d'État, on rejoint le coup d'État au nom de... Euh, ce, ce devoir de défendre la patrie, ce de, 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 de devoir de, de nationalisme. C'est un discours qui, est, qui, fait, qui a écho dans la, au sein de la population, qui est écouté et on le voit quand les manifestants euh, soutiennent la, la, les militaires. Ils montrent clairement que c'est un rejet aussi euh, de, de, des relations, du système politique oui, avec la France. C'est ça, le logiciel qui, 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 qui consiste à, à, à considérer que lorsque un régime est en place à Niamey, tant qu'il défend les intérêts de la France, il est, il est légitime, Et quel que soit le mode de gouvernance, quelles que soient les violations, parce que, eh, vous savez, eh, le cas du Niger est emblématique de cela. Souvent, la France, lorsqu'un régime euh, lui est acquis, elle ferme les yeux sur les différentes violations. On l'a vu, pas sous le président Bazoum, mais sous le président Issoufou. La société civile a été martyrisée, et des violations flagrantes des droits de l'homme ont eu lieu. Les gens attendaient des réactions du Quai qui ne sont jamais venues. Mais parce que le Quai d'Orsay considérait que Ussoufou était un allié stratégique, comme au Tchad d'ailleurs, est un allié stratégique, euh, dans bon, les. Euh, les agissements euh, peuvent passer au second plan tant que euh, donc il y a euh, cette démarche à mon avis qui fait que euh, la France souvent euh, est surprise que il est un rejet dans une partie de, de la société dans une partie de, des opinions sahéliennes c'est le cas au Niger aussi mais c'est aussi euh, son comportement ses maladresses diplomatiques sa posture qui a pu nourrir justement ce sentiment de rejet que qui Doit être décrypté au lieu d'être considéré comme une réaction épidermique parce que souvent, ici, quand on, on regarde euh, dans le cas du Niger comme dans d'autres cas, quand on regarde les réactions des opinions, on dit non, euh, c'est la Russie. La Russie ne peut pas payer tous les gens qui, qui, les gens qui viennent, elle n'en a, a pas les moyens, je pense. Quand on réunit 30 000, 30 000 personnes, personnes, on ne peut pas, on ne personne. peut pas, euh, tous ces 30 000 personnes ne sont pas des gens qui sont payés par Moscou. Il faut avoir souvent la lucidité de regarder les causes qui ont amené souvent des gens à adhérer, souvent à avoir des réactions. Et une de ces causes-là, c'est justement ces erreurs de communication, ces maladresses diplomatiques, cette posture d'arrogance et ce logiciel ancien. Je parlais tout à l'heure du cas de euh, ce qui s'est passé, euh, finalement, le sommet a eu lieu en janvier 2020 à Pau, mais euh, si il y a 20 ans, 25 ans, ce serait passé inaperçu, le président français peut dire à ses, à ses homologues, venez, et ils vont venir, etc. Aujourd'hui, il y a une société civile africaine. Qui a imposé aux chefs d'État n'est pas allé. Et les chefs d'État ont été obligés de tenir compte de leur opinion publique, de cette jeunesse 2.0, de, de cette jeunesse des réseaux sociaux qui peuvent imposer un agenda. Et je Et pense un que. Un logiciel ce, différent aussi le, euh, que celui des précédentes populations. Absolument. Et les gens n'ont pas. La France n'a pas intégré cette évolution de logiciel. Elle n'a pas fait cette adaptation. Et du coup, le paradigme ancien ne plus opérationnel et aujourd'hui on, on passe à côté de beaucoup de choses. Alors, il y a une incohérence qui frappe quand même quand euh, il y a autant de, de, de volonté de dénoncer un coup d'état militaire. Euh, C'est le cas du Tchad que vous avez mentionné tout à l'heure. Euh, le Tchad où euh, Mahmoud Idriss Déby, le président actuel, n'a pas tout à fait été élu à l'heure de son arrivée au pouvoir puisqu'il a pris la succession de son père qui est mort au combat, Idriss Déby. Euh, Adoubé par Emmanuel Macron, euh, qui s'est déplacé pour les obsèques d'Idriss Déby. Est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, un ressentiment sur le fait qu'on qu adoube des. des d'état qui nous semble favorable et de l'autre côté bah, quand la population euh, euh, déclare qu'elle veut prendre ses distances de, de la politique euh, France africaine il bah, y a plutôt une levée de boucliers à l'échelle internationale et de la part de l'Élysée c'est ça en fait c'est ça, ça qui bruit un peu le discours euh, sur euh, la défense des valeurs démocratiques et cette euh, géométrie variable qu'on retrouve Tant qu'il s'agit du Tchad, euh, bon, même si on n'a pas respecté la constitution qui prévoit quelqu'un d'autre que le fils débit, puisque c'est le Tchad, puisque c'est notre allié, on ferme les yeux. Donc, cette, cette posture qui consiste à apprécier les choses en fonction des intérêts fait que le discours n'est pas audible. Aujourd'hui, une bonne partie de l'opinion nigérienne n'entend pas ce discours sur la défense de l'ordre républicain, de l'ordre démocratique, surtout pas venant de la France, parce que chaque fois elle invoque en disant oui, mais. La démocratie n'a pas été respectée au Tchad. Pourquoi on ferme les yeux au Tchad et pourquoi on ouvrirait les yeux au Niger Et ça, je pense que ce sont des choses qui affaiblissent le discours sur la défense de la démocratie, en tout cas, et qui font que, bon, on voit peut-être que derrière le projet d'une intervention, qu'il y a d'autres considérations, des considérations autres que la défense de la démocratie. Pour la France, il faut se, il faut se dire la vérité. L'enjeu aussi, c'est la poursuite de sa présence au Niger. Si cette gente venait... Rester, il n'est pas acquis. Il me semble même qu'il y a un projet de la jeune de de mettre fin à la présence militaire française, comme on a pu le voir au Mali. Euh, la dénonciation d'ailleurs des accords a été faite, même si la France a argumenté en disant que euh, nous avons signé avec les autorités légitimes. Euh, et là aussi, le discours est, est, est peut-être, euh, comment dire, critiquable, parce que quand la France dit que nous avons signé avec des autorités légitimes. C'est quoi les autorités légitimes Celles qui ont été élues en 1977, il y a un accord qui a été signé parmi les accords dénoncés. En 1977, il n'y avait pas d'autorité élue au Niger. Oui. Donc euh, euh, dire que c'est simplement avec les autorités légitimes, c'est pas je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur argument. Maintenant, pour la France, c'est évident que euh, si jamais cette junte venait à rester définitivement, euh, la, la, la question de sa présence militaire se poserait. Vous savez, quand la, le dernier soldat français a quitté en août 2022 le territoire malin, il, il a suffi de traverser pour se retrouver au Niger. Et aujourd'hui, le Niger est devenu l'épicentre de l'intervention française au Sahel. Alors, j'aimerais qu'on mette les pieds dans le plat euh, tout de suite sur euh, la question des intérêts. Intérêts à chaque fois que euh, la question des intérêts français euh, est abordée. Il y a soit de la gêne, soit on essaye de minimiser euh, l'importance de ce, de ce point-là en particulier. Écoutons ce que disait Emmanuel Macron lui-même sur les intérêts au Sahel. C'était le 27 février dernier lors de son discours sur le partenariat Afrique-France. Nous devons aussi aller au bout de cette transformation parce que nous avons des intérêts à défendre. Et je pense que quand on parle d'Afrique, il faut le dire clairement, parce que ça va beaucoup mieux en le disant. On ne va pas faire le bien commun. On a des défis communs. Le changement climatique, c'est un défi commun. Essayer que la jeunesse africaine trouve un avenir, je dirais que c'est un défi commun, parce que ce sera aussi notre problème si on n'y arrive pas. Mais on va défendre des intérêts. Et c'est ça un partenariat réciproque et équilibré. C'est qu'on ne prend pas les gens pour des imbéciles. On ne dit pas on arrive chez vous parce qu'on va faire le bien chez vous à votre place, parce que vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous, de le penser ou de le faire. Non. On vient défendre nos intérêts et on le fait de manière respectueuse avec les intérêts des pays africains où on se déploie. On l'a écouté, Emmanuel Macron qui porte finalement un regard lucide sur le fait que ce qui compte en particulier, c'est que les intérêts français aussi soient sauvegardés. Est-ce que ça va au-delà parfois de l'intérêt des populations ah, bien sûr. Et d'ailleurs, je souris quand j'entends ces derniers temps, depuis le coup d'État, euh, dire que la France n'a pas besoin de l'uranium du Niger. Euh, il faut peut-être. Euh, C'est une sorte d'insulte à la vérité. Vous savez, en, en janvier 2013, il y a eu une menace en Algérie, une attaque contre des gisements miniers d'Algérie. La France a immédiatement dépêché des commandos d'opérations spéciales pour protéger les mines d'uranium au Niger en raison de leur caractère stratégique pour la France. C'était en janvier 2013. En mai 2013, deux filiales de Orano qui étaient à l'époque Areva, Areva, ont été attaquées au Niger dans le nord du Niger à Arlit dans la région d'Arlit. La France a envoyé des commandos pour neutraliser les terroristes qui étaient venus attaquer. Et la même chose à Agadez, elle a envoyé des commandos qui étaient venus délivrer Donc, et ça c'est parce que ce uranium-là a une, un rôle stratégique et la France sait qu'elle a des intérêts là-bas. Dernièrement, avant le, quelques mois, quelques semaines avant le coup d'État, la France a signé avec le Niger un accord.